Chers amis, je m'adresse à vous pour vous communiquer la confiance qui m'habite. Cette confiance, elle ne repose pas sur le contexte aujourd'hui, ni politique, ni économique, ni social. Cette confiance, elle ne s'appuie pas non plus sur les débats actuels, sur le début ou la fin de vie. Cette confiance, elle ne s'appuie non plus sur la situation de notre Église et puis l'évolution de son organisation, le chemin de transformation. Profondément, ce qui me rend confiant, c'est que le Christ est ressuscité. Il est ressuscité, il est vivant, il est parmi nous. Ça, c'est une source de confiance formidable que je voudrais vous partager. Nous sommes comme les femmes qui reviennent du tombeau, nous avons un message que nous avons à communiquer autour de nous. En priorité, il faudrait le transmettre à ceux qui sont dans l'épreuve, à ceux qui sont dans le deuil, à ceux qui redoutent l'approche de la mort, ou à ceux qui la verraient comme une solution à leur souffrance. Approchons-nous d'eux. Soyons des témoins vivants de ce qui nous habite. Alors certes, la bonne nouvelle du Christ sera connue dans le monde. Et puis, à vous tous, chrétiens de différentes confessions, je voudrais dire, nous portons le même message que vous, nous le portons ensemble au monde. Frères et sœurs, en cette fête de Pâques, je voudrais vous dire de très joyeuses fêtes de Pâques. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité.